féminine. Et enfin, bien évidemment, on ne va pas reparler de la qualité de la GRS bulgare, alors que du côté des Russes, eh bien, on a eu quelques difficultés à se qualifier après la première journée, et eh bien, dans ces quarts de finale, ça ne va pas terriblement bien se passer, alors que l'on suit ici en GRS Natalia Lipkovskaya. Extrêmement dynamique de la part de Natalia Lipkovskaya, la Russe, une équipe de Russie.